Hey les citrons, j'espère que vous allez bien et désolé pour la qualité du son, je sais pas du tout ce que ça va donner. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui est vraiment très spéciale, ça fait plus d'un an que je devais la faire. En gros c'est tout simplement, je vais m'habiller comme ma movie star. Vous allez voir, je vais essayer de récupérer des habits que j'ai sur le jeu et là je vais vous montrer voilà un petit peu ce qu'on va choisir déjà dans le jeu. On se retrouve dans le jeu dans lequel je vais essayer de trouver un look que je peux reproduire parce que je pense que c'est plus simple d'aller directement dans le shopping où j'avais déjà repéré quelques petites affaires qui peuvent être potentiellement dans mon dressing et du coup essayer de retrouver quelque chose qui ressemble énormément à ce que j'ai en vrai ou dans le jeu, etc. Vice versa. Je pense qu'avec toutes les affaires qu'il y a sur Movistar Planet, il y a forcément des choses que je peux recopier dans la vraie vie. Ok, écoutez, c'est parti, on va faire un petit tour, je vais essayer de retrouver. Déjà dans mes affaires, il y avait un haut que j'avais déjà repéré. Bah voilà, je suis tombée là sur le haut que je voulais retrouver, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, il y a déjà, je crois, ça doit faire presque un an que j'avais acheté ce haut-là sur, je crois, c'était AliExpress, un truc comme ça. Un site comme celui-ci. Pour justement, spécialement pour la vidéo. Et depuis, je n'ai jamais porté le haut-là en attendant de faire la vidéo. Du coup, ça fait très longtemps qu'il est dans mon dressing. Je suis très contente de pouvoir l'utiliser. Donc, on va prendre ce haut-là. Et en fait, pour être honnête avec vous, c'était le seul haut que je voulais utiliser pour la vidéo que j'ai vraiment ressemblant de façon que vous allez voir. Et je vais chercher le reste. Je pensais peut-être un jeans noir simple parce que je pense qu'on a tous des jeans noirs simples dans nos affaires. Et peut-être des talons parce que j'ai énormément de talons et je pense que pour recopier des talons, c'est simple. Je vais vérifier dans mon dressing ce que j'ai comme talon. Regardez-moi cet énorme trépied, quoi. Regardez-moi ça. Mais en gros, j'ai Titi qui a cassé mon trépied. Aujourd'hui, je me suis maquillée un petit peu plus que d'habitude, voire même beaucoup plus que d'habitude. Je me maquille jamais avec un aussi gros eyeliner. Mais je voulais ressembler à ma movie aujourd'hui, donc c'est un peu le but de la vidéo. Et du coup, je pensais mettre des faux cils pour encore plus ressembler à la movie star. Je vais essayer, je vous promets pas, parce que on va dire les faux cils et moi, ça fait deux. Je suis vraiment très très nulle pour mettre des faux cils. Mais bon, on va tenter. Si vous me voyez sans faux cils, vous comprendrez pourquoi. Concernant le haut que je vais utiliser comme ma movie star, alors je vous avouerai que celui-ci, ça fait plus d'un an qu'il traîne dans mon placard, que je n'ai jamais porté parce qu'en fait quand je l'ai vu sur internet je me suis dit waouh, mais on dirait trop le haut de ma movie star. Et en fait ce haut là je l'ai acheté après avoir acheté le haut sur pour ma movie star. En fait finalement je me suis dit que j'allais pas utiliser des cheveux, mes cheveux à moi pour cette vidéo, mais que je vais plutôt m'amuser, autant en profiter le fait que j'ai plusieurs perruques. D'ailleurs j'étais censée vous faire une vidéo sur mes perruques, donc je la ferai, vous inquiétez pas. Et je me suis dit qu'avec ce look là et puis après avoir demandé conseil, je vais mettre une perruque aux cheveux carrés noirs avec une frange noire. En plus je trouve que ça ira bien avec le look, étant donné que je pensais mettre des petits talons noirs ou des bottines noires parce que c'est le genre de choses que j'ai dans mon dressing. Mais là du coup je vais chercher un petit peu la coupe que j'ai dans mon, enfin la perruque. Et je reviens vers vous. En fait ce serait un truc idéal genre comme ça, mais version noire et sans les chignons. Donc voilà, genre ça mais sans les chignons quoi. Donc je pense que je peux trouver, j'en avais trouvé une mais c'était une coupe rare. Et voilà, on va dire c'est pas ouf la coupe rare. Étant donné qu'en même temps je suis en vocal Discord que je filme cette vidéo, du coup Nidhi a trouvé une coupe qui correspond à ma demande. Et franchement elle est parfaite, vous allez voir, elle est vraiment très parfaite. Elle ressemble beaucoup à celle que je vais utiliser comme perruque pour ce look là. Donc voilà, c'est Nili. Voilà, je vous montre son profil. Merci beaucoup à toi Nili. Vraiment. Nous revoici dans mon dressing de ma movie star. Alors en vrai, à part la coupe qui m'a été offerte, du coup je n'aurais rien acheté. Le jeans, je l'ai trouvé dans mes affaires. En plus j'ai pris un jeans qui correspond un peu plus à ma morphologie parce que je ne suis pas aussi mince que ma movie star. Concernant le pantalon, bah écoutez, rien de spécial, hein. C'était pas celui que j'avais prévu à la base. C'est quoi ça? C'est un film? Oh ça va. C'est pas celui que j'avais prévu à la base parce que celui-là vous voyez il a une sorte d'effet cuir en haut, faux cuir. Mais j'ai pas retrouvé le jeans que je voulais, donc ça c'est un jeans qu'on m'a offert que je n'ai jamais porté. Donc en même temps je vais voir s'il me va ou pas. Et du coup je sais pas d'où il vient, mais bon c'est un jeans noir simple basique quoi. En termes de chaussures, je pensais partir soit sur des bottines comme ça parce que c'est exactement ce que j'ai dans mon dressing, sauf qu'il y a une petite lorgnette en plus en, mais bon, à un détail près, c'est quasiment la même chose, ou partir sur des talons noirs simples que j'ai aussi dans mon dressing. J'ai pas mal de talons que je ne porte pas souvent parce que je vous avouerai que je me casse la gueule H24, sinon voilà. Je vais voir si j'ai des talons, mais au pire on va partir là-dessus.
pour les chaussures, bah, ce sera celle-ci. Je trouve que ça ressemble beaucoup à celle de ma Movie Star, sauf le détail là en fait de la languette qui est sur une de mes chaussures bouffée, mais bon, je trouve ça dommage juste pour une languette de les jeter. Du coup, voilà, je comptais soit les réparer, soit enlever la languette parce que ça se porte quand même. La languette, elle est plus décorative qu'autre chose. Sur celle-ci, vous voyez qu'elle est bien. Donc, ces chaussures-là, me semble-t-il que je les avais achetées chez Jennifer. Ouais, Jennifer. Voilà, donc je fais du 36. Normalement, ça, c'est du 37. C'est un petit peu plus grand, mais pour quelques millimètres, c'est pas grave. Il y en avait plus du 36, mais en gros, ouais, ça vient de chez Jennifer. Mais ça fait un petit moment que je les ai, donc je sais pas si je les vends encore. Bon, et bien, après avoir décidé de rester sur ces bottes talons, je vais dans les accessoires, parce que je me suis dit que comme ça me paraît un petit peu vide. Moi, j'aurais été pour quand même d'ajouter un petit collier au moins. Voilà, après, je peux pas non plus ajouter grand chose, parce que c'est vrai, en accessoires, j'en ai pas masse non plus. Est-ce que je mets un sac? Mais du coup, il faudrait que ce soit un sac qui ressemble à mon sac actuel. Après, j'ai des sacs simples, basiques, et je pense qu'on peut les retrouver sur le jeu. Après, je ne sais pas si dans mes propres accessoires à moi, on peut les retrouver. Mais je vais regarder un petit peu, on va les voir ensemble. Et voilà, je viens de sortir de la clinique beauté, donc j'ai mis les yeux bleus. Bon, il y a juste un truc, c'est les sourcils sont pas de la bonne couleur. Je vais peut-être me les foncer au make-up pour ressembler à la Movie Star. Même si moi, je suis blonde, donc mes sourcils sont assez clairs. Je me suis mis la peau un peu plus pâle. Oui, je suis blanche comme un cul encore une fois. Au niveau des lèvres, j'ai mis un petit rosé nude comme ça que je mettrai au make-up pareil. Et du coup, peut-être que je mettrai les... Si j'ai la foi, je mettrai les faux-ci. Si je n'ai pas la foi, je ne les mettrai point. Parce que ça, c'est chiant à mettre ces trucs-là. Comme accessoire, j'ai pris un rat-de-cou. Vous savez, les rat-de-cou plastiques. Ça, j'en ai énormément de toutes les couleurs. Du coup, ça, je peux l'utiliser. Et mon sac, donc c'est à peu près le même sac à quelques petits détails près. Et là voilà, c'est les accessoires, donc je vous avais dit deux comme ça. Je vais mettre deux comme ça parce que là actuellement je porte le même mais en bleu. Et là je vais quand même aller dans le création et créer le look. Par contre, il faut pas que j'utilise un nom de look qui va éveiller vos soupçons. Poubelle, what? Ok, on va créer le nouveau look avec le look actuel. Il y a juste une chose, c'est au niveau du collier. Voilà, j'ai enlevé celui-ci parce qu'en fait celui-ci je l'avais acheté à la base. Il m'a coûté 2 diamants. Et au final, Nelly m'a envoyé le même collier mais en double. Et vu que je l'ai, il me semble, en deux fois noir. Ou au pire je mettrais un noir et un foncé pour pas que ça choque trop. Mais il me semble que j'en ai deux des noirs. Eh bien, je vais pouvoir le faire et du coup, comme ça, s'il y a des gens qui veulent acheter le look, même si le look je l'ai fait par rapport à mon dressing et pas forcément par rapport à la blessure, même si je trouve que le look est vraiment super, je pense pas que je sois aussi belle dans la vraie vie que ma Movie Star, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est parti, on va créer le look, bah du coup, il est déjà créé, mais on va l'appeler comment? Pour pas éveiller un soupçon. Quinzelle vidéo. Voilà, comme ça, je pense que ça devrait aller. Et bien pour le moment, ça ressemble à... Tada, bonjour. Alors voilà, j'ai mis les bottes, qui font un peu de bruit, hein, parce que... Et voilà. Mais en gros, ça ressemblerait à ça. Vous avez remarqué, je n'ai pas les mêmes cheveux que ma Movie. On va tenter de mettre la petite perruque que j'ai choisie. Donc écoutez, je vais la chercher et puis je vais vous montrer ça. Ah, et une chose aussi... Alors une chose aussi, c'est que tout simplement j'ai mis mes fossiles. Et voici la perruque. Donc c'est une perruque cheveux au carré avec une frange. Donc je vais vite fait la coiffer et puis je vais la mettre et puis on va voir ce que ça donne, le look complet. Voilà, ça va être bizarre. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas porté. Je vous ai pas montré toute ma collection parce que tout simplement il faut que je fasse une vidéo sur toutes mes perruques. Voici le look complet. Ok, la languette qui est partie là, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va faire genre personne le voit, voilà. Et voici. Je vais quand même essayer de vous faire des photos pour que du coup vous ayez un ensemble un peu mieux et qu'on puisse comparer du coup le look de la Movie Star et le look de tout simplement de moi. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez encore une autre vidéo où j'essaye de ressembler à ma Movie Star ou pas, bien sûr, peut-être avec d'autres perruques, d'autres vêtements, bien sûr, sinon c'est pas la même. Bah écoutez, je me suis vachement amusée à faire cette vidéo, c'était marrant, bon, ça m'a mis du temps.
J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Turn it.